Mais côté 3 jours après otage toujours nommé bandio et c'est pas bonne et pas paquette pendant toute semaine là nous constatons les amis auditeurs proches victimes qui a défilé ici là pour venir supplier bandio dans place autorité pour joindre libération proche autorité qui certaines fois sont directement impliqués dans la négociation pour libérer otages. Tant que j'ai information, il a révélé le matin un guerrier concernant libération 3 dans 9 otages. L'église catholique bandit dans base 400 marozos ont été kidnappés depuis 13 jours. Oui, première information qui a circulé sous libération 3 otages. Ça a laissé comprendre ces résultats. Ils ont échangé entre autorité et chef bandit la mort 100 jours qui était exigé libération. Ils ont un bandit qui est en prison. Yon qui semblait retourner dans Bazi depuis hier avant même libération otage. Oui, c'est ça information yo fait quoi d'ailleurs gagner de l'agence en ligne Croix Haïti 24 qui rapporte gagner de l'autre source qui yo même a essayé confirmer information ça échange ça qui est à fait pour être capable de jouer une libération 3 dans 6 fidèles l'église catholique ça yo qui yo même libéré, c'est un prêtre avec deux autres fidèles et gagné 6 autres. Moun qui toujours nan men ravisseur yo n'a rappelé dans un premier temps monsieur te libéré maman père Jean-Anel Joseph qui lui-même te nan men ravisseur yo donc c'est ça jusqu'à présent pour information yo en attendant que autorité yo pote éclaircissement sous information ça Pierre Renel. Et si c'est vrai guerrier libération yo c'est ta résultat échange ça entre autorité yo ak bandi 400 marozo yo c'est n'a dit on très mauvais précédent côté bandio yo pral prend habitude là kidnapper de personnalités importantes dans tout secteur dans pays pour exiger libération bandio yo gagnent qui dans prison côté au tadrété pour juger pour ça qu'il fait mais plutôt yo pral servir avec ça pour libération bah oui et nous apprenons yon c'est ta chef même hein? Chef base 400 marozo donc au lieu de la mort sans jour c'est monsieur qui pilier hein? Base 400 marozo je suis en prison depuis qu'il est et me pas rappeler depuis qu'il est monsieur la prison et me pas rappeler depuis qu'il est mais bon gagne de l'autre c'est information qui a venu comme quoi tu as gagné de l'autre bandit dans base là qui t'a joint une libération yo, également mais nous pourquoi est confirmé et Pierre Renel gagné deux employés la cour des comptes qui yo même libéré tout jeudi soir selon information nous disposé n'a parlé de Normalis Paul avec Mimose Benoît qui nous te recevoir petite fille là hier ménagère là donc qui les mêmes joint une libération li hier jeudi yo te kidnappé yo mardi 20 avril passé en zone Martissan n'a rappelé madame à petite Normalis Paul yo même te déjà joint libération yo et nous songer employer la cour des comptes qui yo même te campé travail pour te protester contre enlèvement de employés la cour et pour question kidnapping fidèle catholique yo n'a rappelé l'église catholique elle-même en tout cas malgré libération 3 à Mounsayo continuer à lever voyaux pour exiger libération l'autre prêtre catholique avec l'autre religieuse qui n'en met gang 400 marozo depuis plus passé 13 jours oui maintenant une note qui portait date 21 avril 2021 conférence évêque catholique pays d'Haïti yo continuer exprimer préoccupation yo face à comportement ravisseur yo qui malgré tout appel tout secteur qui fait pour mon délibération otage yo pas jamais t'as des raisons mais un message archevêque Port-au-Prince là continue demander libération tout otage yo kidnappé pendant yo tap travail fait travail l'église là monseigneur Max Leroy Mésidor dans sens a mandé toute l'église catholique là tout chrétien pour continuer prier puis faire tout ça l'église là mandé pour permettre yo river joindre libération frère action yo qui est pas qu'à souffrir encore une déclaration monseigneur là été fait avant même libération 3 dans otage en côté monseigneur Max Leroy Mésidor un petit message monseigneur Max Leroy Mésidor archevêque Port-au-Prince sous situation à vivre là. Frère Axemio, avec tout évêque yo, avec toute l'église là, m'a continué à lancer un gros coup de rel pour demander libération paix yo, mais yo,
avec de l'autre parent, Père Anel, curé Galette Chambon, qui n'en me ravisseur toujours. M'a demandé, moun yo, qui kembe fraction yo depuis 12 jours, pour la guerre. C'est une installation yon paix dans zone nous, yo tapre aller nous kembe yo. C'est un travail l'église la yo teye, et paix ali même nan paroisse ta travail pour nous. L'église la gen l'école, dans zone nan pour nous, pour petite nous, pour famille nous. Qui intérêt nous gen dans zak sa nous pose ya? Pour qui raison nous kembe moun yo depuis tout temps ça? Qui sa ki grand n'a fait là? Kembe paix, mais, mon demoiselle, a qu'on paix de famille pendant tout temps ça? Nan ki sa, sa api de nou avanse. Si gen bagay kap fè nou soufri, moun sa yo pa responsable. Montre nou gen ke sensib, ravi sa yo. Montre nou gen humanité. Paske yon jou, nou ka bezwen pou moun gen ke sensib pou nou tou. Nan nou bon Dieu ki kreye nou tout. Nan nou doit tout moun gen pou yo viv lib. Map di nou, ravi sa yo ak tout kem. Libere moun yo. Libérez yo, yo bouke. Libérez yo, yo pa ka supporter encore. Libérez yo parce que tout moun bouke accident fait là. M'a mandé toute autorité yo qui gen mission pour établir la paix à condition pour moun vivre dans pays sans que sauter pour yo agir à compil l'adresse et pressé pour moun yo ka venir libération yo. Et puis pour tout moun capable vivre dans pays bien pour capable aller un souffle. C'est de voir l'État pour garantir libre circulation monde dans pays. Faut prendre responsabilité. Situation grave en pile. Situation urgente. Autorité l'État yo sous qui connu. Peuple bon Dieu, merci parce que vous apportez souffrance ça à toute l'église là. Merci parce que vous appelez la prière pour libération frère Sonouyo. Pour libération tout pour nous kidnapper yon façon ou bien yon l'autre. Merci, peuple haïtien, à tout le monde qui a une bonne volonté, qui peut de solidarité avec nous, toute l'autre institution qui n'est pas catholique, mais qui sentit situation concerne tout le monde. Merci en pile. Merci peut-être nous accepter pour institution l'église là fermer porte pendant 3 jours, comme si une souffrance nous, à protestation nous, n'a fait tout ça l'église l'a mandé nous n'attend ça n'a agi n'a fait en des voix nous n'a pas la prié matin midi à soir pour nous joindre délivrance parce que Jésus t'a dit garder cagé des causes c'est avec pénitence avec jeûne nous lever résoudre non non bon Dieu la vie en communion avec toute l'église là m'a dit avec toute force moi lis-le pour mon yo libérer. N'attend mon yo libéré tout de suite. N'a travaillé pour ça. N'a la prié pour ça. Bon Dieu, puis fort. Merci en pile. Monseigneur Max Leroy, Mésidore, archevêque Port-au-Prince. Voilà, Monseigneur Max Leroy Mésidor, un message ça, il était fait avant même libération 3 sous 9 prix, en tout cas otages fidèles catholiques. Ils ont un petit mot avec Maître Kebro Zamor qui est lui-même a pas plaidé en faveur libération fidèles catholiques. Maître Kebro Zamor, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre Renel, bonjour bon côté de la plénière, bonjour Galbès. Bonjour tout haïtien qui a besoin un peu partout, à l'Haïti comme à l'étranger. Bonjour tout fidèle catholique, tout prêtre, et que j'ai capable de dire Tigouave là, plus précisément, tout le monde Tigouave qui a besoin de nous et peut-être l'église là tout. Moi, évolue dans un environnement en pile prêtre. D'ailleurs, moi, il y a un monde qui était doué à la séminaire pour être prêtre. Malheureusement, ça n'a pas privé. Mm-hmm. Nous étions cheminés déjà dans ce sens-là. Donc, nous voulons lancer un ultime appel, un dernier appel. Nous attendons Monseigneur Leroy. Nous attendons un petit homme. Nous attendons un pilote encore qui est intervenu pour demander libération prêtre. Donc, on est. Population haïtienne, les majoritairement catholiques. Et nous connaissons qui rôle on peut jouer, que ce soit dans la paroisse, ou dans le diocèse, ou bien notamment dans la section rurale, côté qui gagne et paroisse.
et à travers directeur chapelle yo. Nous connaissons tout que prêtre yo c'est des monde qui fait don de vie yo à communauté côté évoluer yo et yo impliqué dans toute une série d'activités sociales de développement dans zone côté yo yé. Et un domaine côté nous estimer que prêtre yo et même avec religieuse yo yo fait sentir présence yo côté l'état très certainement négligé, c'est la question de l'école. Vous pouvez imaginer qu'il valait l'école presbytérale qui gagne un guerrier dans chaque section rurale ou communale. Vous pouvez imaginer, par exemple, si nous prenons le département de l'Ouest, selon l'information que nous avons disposée, l'Église catholique ou bien prêtre, ils retrouvent avec plus que 200 écoles presbytérales. Nous avons même besoin de parler d'une série de congrégations qui gagnent l'école congréganée. Une série de paroisses qui gagne notre école qui sous compte capable de diriger paroisse. Donc ça a démontré quoi? Ça a démontré l'implication sociale de l'Église à travers des prêtres aux côtés des monde qui puis des munis, des monde qui délaissé. Et vous imaginez un peu le monde pas qu'on lit en dehors si c'est pas l'Église catholique, même si peut-être nous capable toujours remettre en question la qualité de l'enseignement dispensé à ce niveau. Et nous pensons que ça mérite améliorer, mais nous, nos pays, côté l'État, il n'est pas engagé dans une série de niveaux à travers les services sociaux de base, notamment question de l'éducation et notamment à travers les sections rurales. Et l'Église catholique, même avec l'Église protestante, tout le monde dit, mais peut-être plus l'Église catholique, nous croyons qu'il y a un rôle social que nous jouons au niveau de la population, notamment à travers le devenir. Ça veut dire croire que très de ça, c'est pas seulement utile, mais utile de vous montrer, mais il y a à souffrir à mon ça, et il fait le meilleur de nous-mêmes, le bail tout ça, il y a de meilleur de nous-mêmes pour permettre que la communauté avance, pour que nous soyons capables de vivre plus tant que nous. Donc c'est pas seul domaine que l'Église a impliqué aussi dans le domaine santé, et tout, même j'ai envie de dire que dans un pile sexuel, il y a une chapelle, puis il y a l'école, mais en même temps tout, à côté de mission pastorale, il y a un pour prêcher l'évangile, le salut et tout, le gagnant, la démarche sociale à tout pour accompagner la population à travers service de base minimal et bien accès à soins de santé. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a un pile de dispensaires que vous trouvez dans la section rurale et tout. Il y a là-dedans, c'est l'église là qui gère. Il y a d'autres, c'est Caritas, par exemple, qui est le bras social de l'église. C'est Caritas, par exemple, qui vient en aide, qui accompagne le centre de santé salaire ou bien dispensaire salaire. Et ça arrivait qu'il y accompagnait environ 100 à 120 centres de santé que nous gagnons, capable de dire, dans diverses sections rurales. Après, on connaît que l'église, l'église ont ensemble le réseau, on est capable de dire de santé, ont ensemble de l'hôpital. Et sous ça, avant d'aller dans l'hôpital, on avait rappelé que l'église dans le domaine de l'éducation, notamment l'éducation au niveau supérieur, l'église là a gagné, nous connaissons d'abord gagné l'université Notre-Dame à Port-au-Prince, mais l'église en présent dans 9 départements. Dans 9 départements, sauf Grandos, écoutez, il y a environ 25 facultés dans 9 départements qui permettent que en pile jeunes, capables de faire étudiants, et en pile là-dedans, c'est des boursiers, ou bien des mounes qui bénéficient de demi-bourses. Donc, sur le plan santé, on a dit tout à l'heure, il y a un réseau de santé. Il y a pile l'hôpital, par exemple, pour Port-au-Prince, il y a Saint-François de Sales, il y a nos petits frères et sœurs, il y a l'hôpital Saint-Luc, le Sainte-Camille-la-Plaine. À Fond-des-Blancs, il y a Saint-Boniface, c'est l'hôpital lui-même, côté, à un très bas prix, où capable d'aller aux une bonne qualité soins. Et en tout le monde, par exemple, Tigouave, malheureusement, très souvent, on trouve le monde quitter Tigouave, quitter Miragouane, quitter Gouave, pour aller à Fond-des-Blancs. Donc, il y a une immaculée conception qui n'en nip. Il y a Sacré-Cœur à Milo, il y a Alma Mater à Goumon, Cardinal Léger à Léogane, bien que c'est des centres qui gèrent même pas des religieuses. Et religieuses, ils ont même un rôle très important que vous jouez tout, et on est capable de dire, sous leadership de l'église,
Donc, il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs congrégations. Il y a une congrégation, par exemple, Compagnie de Jésus, qui occupe de Vieillard, Léogane. Il y a une congrégation religieuse, par exemple, Petite Sœur de Sainte-Thérèse, qui occupe de Vieillard, un peu partout. Il y a des sœurs de Calcutta, qui ont même à suivre trace, travail, on a remonté à combien, Thérèse, etc. Bref, nous, on veut dire ça à travers tout le détail, ça, pour l'Église, là. C'est vrai, peut-être qu'on peut toujours dire qu'elle n'a pas fait assez. Mais ça peut être du côté où après plus d'engagement auprès du monde qui devient la communauté. Là. Mais nous dit que ça, nous voulons dire que l'Église, là, lui, c'est en l'Église qui inscrit une démarche sociale aux côtés du monde qui devient mieux et qu'un pile jeune petit monde ne connaît, qui n'a pas de possibilité pour aller à l'école parce que l'État va arriver. Mettez structure de base en dedans, infrastructure de base, pardon, en dedans sexualisation à eux. Et bien, c'est l'Église catholique, c'est aussi l'Église protestante, c'est eux qui vivent auprès de communautés, hein, pour bâtir mon type d'instruction. Mm-hmm. Et des fois, très souvent, bah, aussi soins de santé. Et nous estimons que monsieur Captain Dimla, qui c'est monsieur Captain Marozo, qui est père de Namayo, religieux de Namayo, on comprend que c'est des mondes qui sont très utiles à la communauté, c'est des mondes qui ont aidé frères et sœurs, et peut-être eux-mêmes, si on était relevé dans l'espace comme ça, ils ont bénéficié de un rôle ça, que l'Église a joué, des actions que l'Église a posées dans le domaine social. Et auprès, c'est un monde qui fait don de la ville à la communauté côté la évolué. Il a tout le bagaille. Et là, on prête nos zones, tout problème qui vient de ce côté réalé. Et on ne doit pas là, on peut dire, chaque pied là, nous payons l'école, on peut même payer l'école pour. En plus, si on a plus de bourse, par exemple, il y a un prêtre au niveau Solino, qui dit que il y a un peu de petit monde du système baïnal, il paye l'école pour plus que 120 monde. Oui. Plus que 120 monde. Et c'est des valeurs qui méritaient, logiquement, pour encourager. D'accord. Et donc, on croit qu'en gros, en conclusion, si vous permettez, on a demandé, tant pis, à M. Katsan Maozo, ou peut-être au-delà de motivation politique qui a gagné de ça, mais nous demandons tout simplement pour comprendre le cri de l'Église, le cri des fidèles catholiques, le cri de toute population qui a demandé pour prêtre se libérer, que eux, ce sont des victimes, ce n'est pas eux qui sont responsables de la vivre là. Bien au contraire, ils ont participé à ce pour comment on peut permettre que les conditions de vie sont améliorées, même s'ils n'ont pas fait assez. Donc, nous que c'est encouragement, vous voyez, mais étrangers surtout, c'est des gens qui quittent le pays. D'accord. Et qui quittent l'activité de la caillou pour venir dans le pays, côté c'est pas bon, et donc ils viennent de côté coller avec nous. Merci beaucoup. D'accord. Nous apprenons Adelson Doresma, un chauffeur qui a affecté dans le service directeur financier LH Lan, blessé à Kbal hier, jeudi, dans la rue Pavé. C'est bandit Axam qui était l'ouvrier, coup de zam sous aux machines, victime qui tape circulaire boy en machine SE. Monsieur tape essayé kidnapper malgré les blessés. Arrivé, échappé quand même. Et Pierre Renel, nous apprenons à gagner collectif notaire d'Haïti, qui en solidarité avec notaire Alex Demostène, qui kidnappé dans rue des casernes mercredi 20 avril passé en après-midi, pendant le tap sorti dans l'étude libre. Eh bien, il prend position là contre multiplication, cas enlèvement qui a fait Denjoussaïo et situation sécurité qui a détérioré dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Là, il y a une note qui date jeudi 22 avril 2021, il y a une dizaine de notaires qui signent, donc ils ont annoncé étude notariale dans 18 juridictions. Première instance pays a prêté fermé jeudi, vendredi 23 avril, pour capable exiger libération notaire à Alex Demostène. Et en solidarité avec les religieux, 6 qui toujours nommé ravisseur dans base 400 Marozoa, l'école catholique avec l'autre institution a prêté fermé jusqu'à matin, après fermé depuis
depuis mercredi pour dire non à l'insécurité qui a ravagé le pays. À l'église catholique, oui, capitaine Libération reste dans Mamblio, bandits kidnappé depuis 14 jours après libération. Trois anans otages parmi eux, yon prêtre ak yon sœur qui c'est Anne-Marie Dortelus. Nous pas gen trop information guerrier sous état santé moun qui libéré yo après information qui t'a circulé sous dégradation état santé quelques nan otage. Et concernant emploi et la cour des comptes yo, c'est confirmé. Yo joine libération hier soir avec nous en ligne Michelet Michel, yon employé qui était et avec nous hier pour demander libération otage. Michelet, bonjour, c'est à qui sentiment nous lever matin avec nouvelle libération membre la cour des comptes. Oui, Nel, m'a salué Gary Duchel, m'a salué Bolsé avec Calvert, et bien on salue tout notre public, c'est auditeur à tout Caraïbio. Alors, on va confirmer effectivement, hier soir, nouvelle là, nouvelle jeune nous, employé libéré. Moi, pas qu'à dire c'est contentement parce que y a pile l'autre monde qui n'a mis des kidnappeurs. Donc, mais plutôt, nous accueillons ça favorablement. Et parce que c'est le moment pour nous dire merci à tout le monde qui a participé d'une façon ou d'une autre pour avoir l'occasion de libération. Surtout, la première, c'est conseil pour supérieur des comptes là. Qui était vraiment bah, tout eux-mêmes pour accompagner nous jusqu'à ce que l'employé rejoigne libération. Et en plus, tout employé, nous avons mobilisé, nous avons fait cotisation, nous avons fait tout ce qui est possible pour l'employé libéré. Donc, remercier. En plus, Radio Caraïbe qui a joué un rôle important, parce que c'est extrêmement important, Pierre Winel Winé, Bob C, avec Pierre Yedjechel. Donc, nous-mêmes, pour remercier d'abord, et ensuite, remercier toute société qui a participé d'une façon ou d'une autre. Combien de monde ont été kidnappés pour nous? Combien d'employés en tout? Deux employés, mais ils ont rentré la carrière depuis hier soir. Donc, pour y avoir peut-être problème de santé, ou gagner, nous ne connaissons parce que nous avons beaucoup de toutes dernières informations, mais Dieu merci, ils ont libéré. Nous ne pouvons pas dire nous contents parce que c'est une situation dans le pays, c'est l'état de prendre responsabilité pour camper tout le bagage ça. Mais nous seulement à remercier tout le monde qui a participé pour une jeune libération employée. Donc nous t'es optimiste, libération ça t'a prêt à le faire, puisque hier nous t'es invité la presse et puis nous d'un coup nous reporter conférence là. Est-ce que c'est en raison de négociations qui t'es semblé bien passer pour nous t'es capable de vivre dans la libération? Oui, effectivement. Alors nous t'es toujours disposé pour la conférence de presse, mais il y a une évolution qui gagne dans l'information. Parce que les négociations t'as fait, tu connais, même au niveau panneau, dans cellule, employé qui t'a géré l'autre question, nous n'avons pas de niveau négociation. Donc, nous avons obligé de faire contact avec l'autre monde pour nous voir qu'ils ont une négociation à pas avancer. Puisque nous avons avancé favorablement, nous avons obligé de faire camper, nous n'avons pas besoin de la guerre qui a entravé avancement, libération, employé. Donc, c'est ça que fait plus ou moins camper. Nous avons partagé toutes les informations possibles avec les journalistes qui sont sur place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour précision, madame, effet. Oui. Alors, je ne vais pas parler dans nos officiels coup de compte, je ne vais pas parole coup de compte, ni je ne pas parole officielle coup de compte. Peut-être que le conseil là va sortir une note sur ce qui est passé et pour peut-être remercier le monde de façon pâle. Mais pas oublier, nous avons demandé pour employer par le travail. Nous avons dit nous faire le travail jusqu'à ce que nous libérions les employés. Et travail par nous, c'est dans le niveau ça a altéré. Dans le monde qui était avec nous et qui était tendu, nous, qui t'a motivé pour employer capable de libérer, nous m'avons rejoint l'institution, surtout pour aujourd'hui, pour nous concerter, parler et peut-être reprendre le travail, parce que nous n'avons pas qu'à travailler l'institution, parce que son institution de l'État, c'est vrai, bah, là, c'est fait nous mal. Et si il y a l'autre mobilisation, peut-être qu'il n'y a pas le niveau nous encore. Parce que l'idéal, c'est à mobiliser jusqu'à ce que ça bah, coupe en Haïti. Mais à niveau par nous, si c'est lui l'emploi a été créé pour nous gérer la question de libération seulement. Donc, si il y a l'autre bagage qui doit être fait, c'est pas à niveau par nous, c'est plutôt dans l'autre niveau. Je veux dire, j'ai besoin de faire. Merci encore, Pierre Winel, merci Bob C, merci Gary Zéchel, parce que nous t'accompagnons nous jusqu'à ce que nous jouions libération employée.
Merci Michel. Michelin a rappelé où c'est un employé la cour des comptes où tu es avec nous hier pour demander libération collègue Ouyo qui libéré hier soir et c'est nous-mêmes qui irons loin, hein, c'est pas où solliciter nous hein, intervention nous t'es besoin. En premier réaction sur libération ça qui t'est mobilisé toute la cour des comptes après yo t'es kidnappé employé ça yo qui t'es sur route pour rentrer la caillou m'a dit passer là nèg gang avignoté descend et kidnappé plusieurs monde qui t'a passé dans zone là donc au moins nous connaît yo libéré deux employés la cour des comptes pas connaît exactement combien monde yo t'est libéré mais en fait combien monde yo t'est arrêté pas arrêté donc mais premier monde yo t'est kidnappé plutôt donc ça ne connaît dans un seul jour côté monsieur ça a été descend sous la rue a été kidnappé presque yon dizaine moun collectif défenseur plus attiré attention autorité yo face à quantité ka kidnapping yo ki chaque jour a augmenté dans pays a co-directeur organisation kap défendre droit moun nan rappeler l'état gen responsabilité pour garantir sécurité citoyen tonal mortimé exiger autorité yo pour prendre responsabilité yo reportage Lydie Alexandre. Semblait c'est toute bon vrai population haïtienne dans la guerre des bras pendiers en bagé un paquet soi-disant autorité qui dit yo là pour garantir sécurité population. Kidnapping, c'est mot qui cite plus dernier temps ça yo dans bouche tout monde tout côté au passé. Laissez pas yon proche yo kidnappé, c'est yon ami ou bien yon famille. Bandi yo à l'aise pour si qu'il est libé fait zak kidnapping gros la journée en bagé tout monde. Personne pas ka di rien à cause à tout fait yo gè gros am fond fwa nan men yo. Situation ça interpellé collectif défenseur plus qui rappelait autorité pas boycite c'est pas faveur à fait peuple là c'est une obligation pour garantir sécurité yo c'est d'ailleurs un droit qui garantit dans constitution yo té prêté serment pour respecter a Antonal Mortimé c'est co-directeur défenseur plus nous même au niveau défenseur plus inquiété indigné devant la terre ou laxisme autorité au gain devant insécurité cap montée et niveau de violence et de criminalité en d'avion en général particulièrement dans la région métropolitaine Bordeaux-Brest. Nous quoi autorité ont refusé comprendre même genre tout le monde dans la population que citoyens yo yo pas contre qui c'est pour reler il a réclamé des bonnes conditions la ville mais yo besoin tout en conditions sécuritaires pour fonctionner dans ce sens nous même nous constater sécurité comme droit fondamental des citoyens au gain kou yon lui c'est comme son bagage n'a cherché et ne pas qu'à joindre ni même acheter dans ce sens tout nous estimer l'état haïtien parce qu'à côté mission li gagne qui s'est garanti droit à la sécurité à la protection chaque monde qui a circulé sur territoire ça gagne quelques mois depuis Léon Charles t'a fait démagogie dans la rue Tijo pour faire conférence pour la presse annoncer oh oui la police pour le mettre pied la tête population maître était posé la police pour le travail pour garantir sécurité yo phrase facile yo souvent cité bandi yo semblait défier Léon Charles c'est comme si conférence ça c'était un défi pour rappeler commandant la police là c'est eux même qui gain pouvoir c'est eux même tout qui connaît les pour gain la paix Antonal Mortimé dans sens ça pas manquer rappeler gens ça qu'on a habitué fait déjà pour autorité yo prend responsabilité yo dans garantir sécurité population qui responsabilité nous exiger autorité d'état la police la justice en particulier les autorités policières pour yo assumer responsabilité yo en façon pour garantir pour sécurité population et pour nous sortir dans l'oreille de l'impunité et parce que l'inadmissible et inacceptable pour petit pays à continuer à subir terreur groupe armé comme ça sans intervention efficace autorité la police et gouvernementale, et pour nous dénoncer toute qualité forme de violence, ni psychologique, ni physique, et nous rappeler aux autorités, eux-mêmes, ils placés pour la sécurité, pour capable permettre pays à prendre le route progrès, c'est pas politique, économique. C'est chaque jour, bon Dieu, mettez phénomène kidnapping, non frappé, yon secteur. Personne pas épargné. Père, mère, maçon loge, notaire, médecin, pasteur, Timachon, élève l'école, professionnel et la trier, a crié parce que yo touché yon façon ou bien yon l'autre. Pendant yon bon incompétent, chita a mangé la jambe taxe pep la, sans yon pas régler en yen dans tête pays ya. Population pas suspendi le bouquet exact insécurité tribo pa bo, qui pas suspendi frappe pot kay, chaque grand citoyen. Mouke ouais jeune femme pareil moi kidnappé, violé, et puis jeté sous pile fatra. Nous bouquet! Lydie, Alexandre,
Caraïbe FM. Merci un peu, Lady Alexandra. Nous t'apprêtons à parler avec Maître Arnel Rémy, qui a même fait un plaidoyer là pour être capable de reloger, hein, le tribunal là, parce que l'avocat a gagné une difficulté pour aller plaider et n'a gagné pour nous faire contact tout à l'heure à Cli. Mais gagné projet, nouvelle constitution qui a pas parlé là par équipe qui est sous pouvoir, qui c'est qui est illégal, illégitime, anticonstitutionnel. C'est en tout cas analyse en avant, mouvement en avant sous document commission consultative indépendante soumettre by population. Ancien député Petionville a avancé plusieurs articles dans projet contesté ça qui montrait à clair Jovenel Moïse voulait instaurer dictature dans pays. Jerry Tardieu plaide en faveur d'un dialogue national tout secteur dans la vie nationale pour installer un gouvernement transition dans le pays pour éviter faire échec à un projet constitution PHTK. Reportage Reginald Rémy. Avant projet nouvelle constitution, commission consultative la soumette by population continue kembe actualité politique la. Coordonnateur national formation politique en avant, démonter pièce par pièce document contesté si la. C'est une constitution qui met tout pouvoir dans le président et tout le monde reste avec lui. Gros somme de articles qui te compte garantir une série de droits fondamentaux que nous-mêmes, peuple haïtien, nous gagnons, de retirer. Article 41, 41.1, de retirer article 7 avec article 7.1 qui parlait du culte de la personnalité. État de siège, article 144, well, c'est président seulement qui a décrété état de siège. Assemblée nationale, là, sous-côté. Article 265, éliminé. Article 36.2, là, sont chargés. PNH là, que vous voulez retirer sous contrôle justice là. Et un président qui est capable de succéder à tête pâle, son problème, son élection à tout unique. 10 moun voter, 20 moun voter, y'a tout député, y'a tout sénateur, y'a tout magistrat. Yon projet qui élabore sans débat, équipe PHTK tellement pressé, y'a pas même bail population en temps pour dialoguer sur document important si là. Ancien député Petionville là, évoqué rencontre entre comité A et notable dans le département Gandos pays A dans le jour qui passe yo pour corriger déclaration là. Qui ça, comité Jovenel Moïse l'a fait? Avant y'a un référendum illégal qui prend la gagne l'obé là, y'a fait un tour des régionales dans chaque département y'a allé, y'a dit y'a rencontré avec un série de citoyens pour prendre disons yo. On nous prend dernier viré y'a fait à Jérémy. Jeudi passé. Yo passé par Chambre de commerce. Yo invité une dizaine notable dans 13 communes. C'est le matin là où paraît. Première fois, yo pral joindre texte constitution. À part deux ou trois, personne ne peut pour l'île. Yo ba yo deux temps pour l'île. Avant de réagir. En pile, mon a posé question qui objectif pouvoir PHTK, qui raison qui la cause, malgré toute contestation sous document ça, y a piqué pour pied devant. Ancien élu Petionville là, dévoilé plusieurs idées qui cachaient derrière projet empoisonné si là. Le grand objectif, c'est renforcer un président roi, de déstructurer l'État, de déresponsabiliser le président. M'a demandé autorité de facto, font camper. Stop, reprenne-nous. Songez Haïti, songez demain. Pour freiner toute dérive Jovenel Moïse Apkometio, ancien président commission spéciale sur amendement constitution, prêché dialogue en tout secteur dans la vie nationale là. Yo dialogue qui t'a droit gagner 5 points fondamentaux d'après ça le fait qu'on est. Force vive pays a ma font appel à nous. Il est pour nous faire une vraie concertation pour jouer ensemble un accord patriotique inclusif. Tout le monde boit à blanc. Pas de parti politique qui peut exclure. Pas de monde, pas de parti pour mettre de côté nous tous ces haïtiens, nous capables de faire le même genre. Il y a 5 points fondamentaux pour nous regarder. D'abord, date de départ Jovenel Moïse, mandat le groupe depuis 7 février 2021. Deuxièmement, il y a un nouveau gouvernement qui inspire confiance. A qui un premier ministre qui inspire confiance. Formation en l'autre CEP que nous avons fait. Un consensus. 30 avril 2021, c'est date limite pour ONIT à transmettre conseil électoral provisoire les citoyens qui enregistrent yo. Pourtant, jusqu'à présent, moitié de la population pour qu'on fait 4. Sans compter ça qui déjà fait 4, yo, qui en pile difficulté. Jovenel Moïse Powell pas tendé, il dit élection tête droite. Fait élection pour qui est-ce? À qui est-ce? Est-ce que c'est problème élection pays a gagné? Comment candidat yo pral rive faire campagne dans village de Dieu? Grand Ravine ak nan fief 400 Marozo? Absence réponse à question ça yo pour en pile monde. Montré à clair, Jovenel Moïse a vivre dans l'autre planète. Reginald Rémy, Caraïbe FM.
Merci un pile régional de Rémi Jovenel Moïse de Comté sur deux départements, Nord-Ouest à Gradas, pour avancer avec le projet Les Gagnants pour changer constitution. D'après responsable opposition dans Nord-Ouest pays, Andalas Mertilus, déjà gagné groupe ça qui rassemblait, qui rappelait, en tout cas Jovenel Moïse rêve ça, pas la caresséant, pas passé dans le département Nord-Ouest. Là, ancien député à Cluche-Louis Jeune, sous Bopal, qui sorti dans le département Grandens et même tout rappeler pas gagner aucun projet conseil qui est capable de passer dans le département Lyon pour acheter plus jeune parole changer constitution qui est Jovenel Moïse a parlé hein, malgré un pile collaborateur lui a abandonné c'est pour faire temps passer Wenchel Adrien. Monsieur Jovenel Moïse a pas pu changer la constitution pays, mais green côté que le côté sous lui pour changer la constitution, pour ne pas jamais répondre à la question de la justice, sous vol, viol et kidnapping qu'a fait, c'est le département Nord-Ouest, en premier avec le département de la Grandance. C'est précision Mertilus Andalas, un membre opposition dans le département Nord-Ouest, qui révélait stratégie équipe sous pouvoir pour avancer dans le projet référendum là, malgré certains supporters, tant que Binu, avec certains amis, conseillers, personnages qui kembe pouvoir, déjà dit yo abandonné si là qui bat tête toute autorité dans le projet ça. Et si effectivement, Palais National décide appuyer sous département Nord-Est à Grandance pour imposer projet suicide à autorité ça, Mertilus Andalas, déjà rappelé équipe sous pouvoir, y'a pas besoin de compter sous département Nord-Ouest pour changer constitution. Nous voulons clair à pays, et nous voulons clair avec Jovenel Moïse et avec quelques tigrines partisans que le gars ici. Au nom de l'article 134.2 de la Constitution, Jovenel Moïse, pas président Haïti. Au nom de l'article 134.3 de la Constitution, Jovenel Moïse, pas autorisé parler de référendum. Nous interdit, au nom de la Constitution, au nom de l'article 284.3, même j'en ai interdit référendum, non, nous interdit partisan Jovenel Moïse. Et Jovenel Moïse lui-même, de ancien député circonscription Dame Maria Jean Acluche le jeune lui même tout rappelé personnage qui n'en tête l'état mais qui en désobéissance à l'article 134.2 constitution hein, li pas besoin compter sous département Grandance pour faire référendum lien. D'ailleurs Acluche le jeune considéré comme un mauvais rêve les affaires référendum équipe qui kembe l'état à parler là. Les votes mon en plein, il doit faire toute rêve qui gagne président si vote plus plein. D'ailleurs, il gagne d'ailleurs là même pour vote plus plein. Il gagne droit dit nous que la Grandance ou bien côté le sorti à c'est sur les limites de position. Jodi à là même monde qui pour Jovenel m'a connaissé c'est pour diversion côté que y a fait monde quoi que yo même yo du président, le va la question du référendum etc. Même pas quoi que en Haïti, des côté là pour référendum. Comme majorité à l'ILIO semble abandonner le projet pour changer constitution qui pas inclusif, qui pas transparent et qui même vicié dans Basli, si là qui kembe présidence PIA semble vouloir montrer les déterminés pour changer constitution dans logique pour faire temps passer. Si en tout cas compréhension, membre OPL là, Jean Acluche le jeune. Jean Oué international a commencé la nécessité pour que lui quitte ça, malgré que l'on a commencé à investir dans le palo, c'est Jovenel d'ailleurs, le mandat n'est pas fini en Haïti, comme n'est pas une expérience politique, pas une réforme au café. Au café réforme, au départ, l'offre privée dans le pouvoir. Mais pour Oué, date où a fini, si tout le monde qui est beaucoup tôt, le premier monde qui a couru, c'est eux-mêmes qui a couru, pas au Kipo, pas de bagage comme ça du tout. Président, c'est quitter le quitter bagage pour si on négociation pour dire que ma baie KIP va quitter référendum de gaz pas sorti pour garder c'est l'arrêté 2022 mais c'est pas vrai pas grave du tout monsieur c'est du passé une constitution qui l'a pour tracer forme gouvernance un pays avec pour baie société qui vive la dedans là une directive n'a aucune circonstance à cause œuvre un monde ou bien un clan qui déjà pas inspiré personne confiance. Pour changer chaque fondamental, une société n'est pas qu'à faire non plus, suivant orgueil du monde ou bien du groupe monde qui semblait qu'à baisser tête sur tout moyen nécessaire pour couvrir tête par rapport à exact déposé dans l'État pendant la gouvernance. Oui, Michel Adrien, Caraïbe FM.
Je nous t'ai annoncé tout à l'heure, Michel Adrien, pas un jour sans nous pas dans situation pour nous rapporter un zak kidnapping qui arrivait dans le pays. Et Lydia Alexandre Sodili, dans un reportage qui passait tout à l'heure, ces mots haïtiens, tout au moins, mon cap vivre dans la capitale là, utilisés plus dans la conversation. Encore matin, on a parlé kidnapping avec Kassa, madame ça, qui gagne un petit 17 l'année, bandit, yo kidnappé. Semaine ça, et il sent un nouvel, et c'est pour ça, passer dans Radio Caraïbe pour lui capable non seulement partager information ça avec nous mais adresser là avec Bandio petite Lina Meo depuis presque une semaine. Madame, bonjour, comment y est? Bonjour tout le staff Radio Caraïbe, on compte à nous recevoir. Allez, on t'y casse plus fort. Salut messieurs bon. Je ne sais pas. On dit, ok. Là, gardez-moi après midi. Moi, Vous voyez petit moment pour moi parce que mes parents font coach. Les gardez-moi. Il lui est commencé à crier. C'est quoi ça? Gardez-moi. Bon, Moi, il me dit, bon Dieu, qui est-ce que tu connais ça? Mon papa a appelé sous téléphone. Quand même. Il me dit, allô? Je dis, oui, maman, qui est là? Il me dit, c'est qui est-ce, s'il vous plaît? Yo, dit, que la maison ma pour 50,000 gouttes. Ça fait yo m'a dit 50,000 gouttes là. C'est par rapport petite là dit qui j'en maman yo à vivre pas parce que c'est moi qui maman, c'est moi qui papa. C'est ça fait yo m'a dit 50,000 gouttes. Je dis, mes amis, frères, c'est le bon Dieu. Nous devons sentir pas de connaissance comme un balai. Le petit garçon n'a pas un téléphone. Yo viennent fermer. Les en soirée, hier soir. Toujours. Yo dit, ou pas votre petit calme comme ça. Yo m'a dit, ti. $5,000. Si mes amis petits moi, n'attendez là. Maman n'a pas gagné un coup. Même si mon yon pas qu'à voir de quoi. Depuis qu'il a passé? Hier, mercredi. Mais c'est hier soir. Yo, hello. Est-ce qu'il faut parler avec petit toi? Oui.
Il dit, maman, moi là, oui. Dégageons pour son affaire. Pour mes côtés, elle dit, oui. Il dit, maman, elle côte, mais c'est bon, non. Il dit, je ne connais pas la joie, non, petit. Il dit, waouh, waouh, on décore quand même. L'aile dit, maman dégage pour ça va faire pour ta jeune 5 000 $. Je dis petit moi, ou que tu as déjà et puis tout coupé pour l'éducation. Passé là, mes amis. C'est moi-même pas de force encore pour moi de télévision moi depuis hier soir moi mettez à la vente yo pas bon pour gagner qui bon 150 $ gagner qui bon 100 $ dit bon qui ça me va faire on va se lancer radio là mes amis yo mon qui bonne volonté pas comment nous va aider si vous mais qui sont nous étant encore pé qui ville ma tante l'arrêté mon été tchit eh bien d'accord on va commander le quitter le numéro de téléphone parce que c'est un peu risqué. Ok, donc faut titan nous, hein, faut titan nous dans le couloir, peut-être si y a des gens qui veulent entrer en contact avec vous, nous va faire ça. Voilà. D'accord. Bob C avec nous en ligne, Bob C qui part et avec nous chaque vendredi, mais matin, il décide pour là avec nous. Bob C, oula, comment y est? Oui, mais n'a pas qu'un bébé, c'est toujours même crio. Bon, c'est en sommeil et réveil, donc on va le préparer pour me sortir. Et puis, j'ai des cris, jeune garçon, 17 ans. Donc, c'est cri ça, on attend chaque jour. Comme dit jeune là, c'est un homme licité, et il voyait maman venir parler à M. Bob. Donc, m'a dit, dame, qu'un bel couloir, donc, m'a fait des démarches en